Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, voici les titres. Une forte mobilisation des éléments des forces de l'ordre sera notée pendant les fêtes. D'après la police nationale, les mêmes dispositifs de sécurité appliqués pendant l'accueil des Jeux des îles seront en effet maintenus. Des solutions pour le rétablissement de la filière vanille Madagascar devraient être trouvées au cours de ce nouveau mandat du président de la République, selon cet opérateur économique et à la fois président de l'Association des natifs d'Antsiranana. En effet, des améliorations ont déjà été constatées dernièrement suite à la tenue de pourparlers. Le gouvernement de Saint-Christian a démissionné hier à l'issue du premier conseil des ministres présidé par André Azuel, récemment reconduit à son poste de président de la République. Les ministres devront néanmoins assurer la tenue des affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement, selon le Conseil des ministres. En Afrique centrale, en République démocratique du Congo, les élections générales se poursuivent ce jeudi dans les bureaux de vote qui, en raison de divers problèmes pratiques, n'ont pas pu ouvrir la veille. À la une des actualités, comme à la même période chaque année, une forte mobilisation à des éléments des forces de l'ordre sera notée pendant les fêtes. D'après la police nationale, les mêmes dispositifs de sécurité appliqués pendant l'accueil des Jeux des îles seront ainsi appliqués. L'envoi d'éléments en tenue civile assister aux différentes manifestations et pour surveiller les attroupements constitue la seule différence avec les mesures prises auparavant. Les patrouilles à pied ou motorisées seront également au rendez-vous et seront multipliées selon toujours les précisions recueillies par Mantine Djembloun sur les images de Fecha Angie Amananzar. Des éléments effectuant des patrouilles un peu partout dans la capitale ont été visibles depuis la semaine dernière. Ils sillonnent les ruelles, les marchés, tous les endroits à forte affluence, d'après les explications. Leur présence visible un peu partout a pour objectif de dissuader les malfaiteurs d'agir en leur montrant que les forces de l'ordre sont prêtes à intervenir à tout moment. En effet, une forte mobilisation des éléments des forces de l'ordre est notée en cette période de festivité. Tous les éléments disponibles ont été mobilisés afin de rendre possible la multiplication des interventions si nécessaire. D'après les précisions, les mêmes dispositifs pris pendant la réception des Jeux des îles ont été maintenus. Les mesures prises pendant cette période ont donné des résultats satisfaisants, d'où leur application pendant les fêtes de la Nativité et celle du Nouvel An. Toutefois, le recours aux éléments en tenue civile constitue la seule différence avec les mesures prises précédemment. Ces derniers seront omniprésents en ville, notamment là où il y a une forte affluence de la foule. Les marchés feront l'objet d'une surveillance particulière, notamment du côté de Béoujik, d'Analakil, d'Issouj et de Tsarlalane. Les patrouilles à pied et motorisées seront également de la partie pendant les fêtes. Toujours disponibles, elles peuvent intervenir rapidement. Elles seront positionnées au niveau de points stratégiques déjà détectés à l'avance selon les explications. Toutefois, la police nationale en appelle à la vigilance de tout un chacun en cette période de festivité. Malgré la présence massive des forces de l'ordre, les mesures de sécurité individuelles liées au port de casque à moto ou de l'alcool au volant, entre autres, doivent être renforcées surtout pendant la veille de Noël et la nuit de la Saint-Sylvestre, lors desquelles des sorties sont généralement prévues. Les forces de l'ordre seront joignables à tout moment, toujours selon les précisions.
Des solutions pour le rétablissement de la filière vanille à Madagascar devraient être trouvées au cours de ce nouveau mandat du président de la République, selon cet opérateur économique et à la fois président de l'Association des natifs d'Antsiranan. En effet, des améliorations ont déjà été constatées dernièrement suite à la tenue de pourparlers. Par ailleurs, il a ajouté que la réhabilitation de quelques portions de route, telles celles menant à Béalanana entre autres, s'avère urgente afin de faciliter le transport des produits d'exportation dans ces zones sans richesse. Et c'est signé Anchal Larsou avec notre reporter d'image Omega Ranefsona. Sur les membres de l'association FITEFA, association des natifs de la province d'Antsiranan, se trouvent pour la plupart dans des zones spécialisées dans la culture de produits d'exportation tels que la vanille et le girofle. Parmi ces zones figurent les quatre districts qui forment la région de Sava. Mais des obstacles demeurent en matière d'exportation de ces produits. À part la chute libre du prix de la vanille verte, constatée dernièrement, les transports sont aussi problématiques à cause de l'état de dégradation avancée des routes dans certaines zones, selon les explications de cet opérateur économique et non moins président de l'Association des natifs de la province d'Antsiranan. La route menant à Béalanan est en piteux état actuellement, empêchant l'évacuation des produits. D'autres portions de route, comme entre autres Antala et Marwansech, sont également impraticables du fait de leur mauvais état. Mais les études préalables en vue de la préparation de ces routes sont en cours, précise cet opérateur économique. Ce dernier a tenu à ajouter que l'association FITEFA, association des natifs de la province d'Antsiranan, espère la continuité des actions de développement dans la région de Sava, déjà entamé par les autorités durant le précédent mandat du président actuel. Pour ce qui est du prix de la vanille, les opérateurs et cultivateurs de la province d'Antsiranan sont convaincus qu'une solution pour améliorer la situation sera trouvée pendant ce nouveau mandat. En effet, des efforts palpables ont déjà été constatés dernièrement, selon ses dires. Une assemblée générale des membres de l'association FITEFA a eu lieu ce jour dans la capitale. Rubrique politique, le gouvernement Tsé-Christian a démissionné hier à l'issue du premier conseil des ministres présidé par Angela Zouil, récemment reconduit à son poste de président de la République. Les ministres devront néanmoins assurer la tenue des affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement, selon le conseil des ministres. Précision signée Azura Barzona. Attendu depuis le 16 décembre dernier, après l'investiture en grande pompe du président Angela Zouil, c'était hier, lors du premier conseil des ministres présidé par le président Angela Zouil, que la démission du gouvernement Tsé-Christian a finalement eu lieu, ce qui est conforme à la Constitution après l'élection du président de la République. De nombreuses dispositions ont été prises lors du conseil. Le gouvernement a présenté sa démission à la fin de ce conseil des ministres, bien que le président de la République Angela Zouil ait accepté leur démission. Les membres du gouvernement devront encore assurer la tenue des affaires courantes jusqu'à la passation aux membres du nouveau gouvernement. À partir d'aujourd'hui donc, l'attention de l'opinion publique est tournée vers l'Assemblée nationale. Selon l'article 54 de la Constitution, les députés majoritaires à l'Assemblée nationale devront présenter le nom du futur Premier ministre au président de la République. Plusieurs noms de potentiels Premier ministrable circule actuellement. Si d'après certaines personnes, une nouvelle tête sera désignée, d'autres estiment que l'actuel Premier ministre sera reconduit à son poste. Le président de la République disposera d'un délai d'une semaine pour annoncer sa décision après qu'il ait reçu les propositions des députés, selon les chroniqueurs politiques. Après la nomination du Premier ministre, le président de la République et le Premier ministre devront désigner les membres du nouveau gouvernement. Le taux de participation des femmes malgaches au processus électoral est encore faible, selon la présidente nationale du CNFM, Conseil national des femmes de Madagascar. Ce taux a été de 5% lors des dernières municipales et communales et de 10% lors des dernières législatives. Le CNFM s'est fixé comme objectif l'amélioration du taux de participation des femmes au processus électoral lors des prochaines communales et législatives de 2020.
2024, selon sa présidente. Mikarin Djemboulaz et Arfid Rakoutmanal nous en rapportent les détails. Le coût élevé de la caution à payer pour se porter candidate constitue un frein à la participation des femmes au processus électoral à Madagascar, selon la présidente nationale du CNFM, Conseil national des femmes de Madagascar, d'où le faible taux de participation des femmes malgaches au processus électoral. Rare encore, sans les femmes, disposant de sources de revenus conséquentes à Madagascar. Outre la caution, certaines idées préconçues constituent encore des obstacles à la participation des femmes au processus électoral, limitant les rôles qu'elles peuvent jouer dans la société. Le taux d'élection des femmes incluses dans la course électorale a été de 5% lors des dernières municipales et communales et de 10% pendant les dernières législatives. Le CNFM s'est lancé comme défi d'améliorer ce taux pendant les prochaines communales législatives de 2024. Le renforcement de la formation des femmes en politique est un élément clé qui permettra l'amélioration de ce taux, d'après ses explications. Outre le renforcement de la formation, le CNFM envisage également de faire du lobbying. Outre les pressenties candidates, des formations devraient également être dispensées aux électrices, aux femmes membres de bureaux de vote, aux femmes membres d'organes électoraux, comme aux femmes membres des plateformes de la société civile. Dans cette optique, le Conseil national des femmes de Madagascar a organisé ce jour un atelier. Le trafic de stupéfiants et la consommation de drogue sont explosés ces derniers temps dans la zone de l'océan Indien, d'après les dernières enquêtes menées par l'ONG Global Initiative en 2021 et en 2022. Les jeunes âgés entre 15 et 20 ans sont les plus susceptibles de tomber dans ce vice. Selon un responsable religieux, la diffusion de certains concepts incompatibles avec les valeurs chrétiennes et malgaches sur les réseaux sociaux est à l'origine de cette situation. Outre le manque d'éducation spirituelle dont souffrent les jeunes malgaches en général, l'Église a une grande responsabilité à cet égard. Elle doit notamment être à l'écoute de ces jeunes, selon l'avis d'un pasteur ce jour. Entretien effectué par Sainte Jalatérinienne sur les images de Ifrasat. Pas plus tard qu'en octobre 2023, 283 kilos d'héroïne ont été découverts à bord d'un poutre en haute mer intercepté par les forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Depuis le début de l'année, près de 3,8 tonnes de drogue, principalement d'héroïne, ont été saisies par les unités basées à La Réunion en collaboration avec leurs partenaires régionaux. Ceci pour illustrer les dernières enquêtes menées par l'ONG Global Initiative en 2021 et en 2022, et qui font état de l'ampleur du trafic de stupéfiants et de la consommation de drogue depuis un certain temps dans la région de l'océan Indien. Drogues, dont une grande part, sont produites à Madagascar, d'après ces enquêtes. La diffusion et la vulgarisation sur les réseaux sociaux de certains concepts opposés aux valeurs du christianisme et à celles de la culture malgache figurent parmi les raisons de cette recrudescence de la production et de l'usage de stupéfiants de la vie d'un chef religieux. Tous les citoyens, en particulier les responsables d'église, ont de grandes responsabilités en matière d'éducation des jeunes. En plus de leur éducation sur le plan spirituel, le fait d'accorder une scène de théâtre aux jeunes pour qu'ils puissent faire valoir leur talent peut être une autre forme d'apprentissage. En effet, le manque de divertissement peut aussi pousser les jeunes à se tourner vers la drogue. Ainsi, les jeunes peuvent tirer des leçons de vie, des pièces de théâtre mettant en scène des histoires bibliques auxquelles ils participent en tant qu'acteurs. Un autre défi de taille se pose aux éducateurs, celui de préserver les jeunes des tendances contraires aux valeurs chrétiennes et malgaches, raison pour laquelle leur dispenser une éducation spirituelle est cruciale, a déclaré le responsable d'une association spirituelle. Malgré que les jeunes ont besoin d'une certaine liberté de pensée et d'action, ils doivent également bénéficier d'un encadrement approprié. Passons maintenant aux actualités internationales.
En Afrique centrale, en République démocratique du Congo, les élections générales se poursuivent ce jeudi dans les bureaux de vote qui, en raison de divers problèmes pratiques, n'ont pas pu ouvrir la veille. Des candidats de l'opposition exigent déjà la réorganisation de ces élections ratées et appellent leurs militants à surveiller de près le dépouillement des suffrages. Un reportage de France 24. Kinshasa, mercredi, ces électeurs ont attendu de longues heures avant de pouvoir accéder aux urnes. En cause, de nombreux dysfonctionnements, des machines à voter tombées en panne. Résultat, en fin de matinée, près du tiers des bureaux n'étaient pas ouverts. C'était pas facile. Je suis parti bec et ongle pour voter, accomplir mon devoir en tant que citoyenne. J'étais là au centre depuis 6 heures du matin. Bah, on a attendu la vote comme c'était prévu à 6h, mais on était là jusqu'à 15h. On a commencé à 15h. Dans l'est du pays, dans la région du Nord Kivu, en proie à des conflits armés depuis près de 30 ans, ces miliciens, Kalachnikov en bandoulière, sont postés devant les bureaux de vote, saccagés par des manifestants. À l'école, ils ont cassé les bas, ils ont cassé toutes les vitres, ils ont apporté les livres des élèves, les livres des enseignants. Ils ont tout cassé, comme vous pouvez le constater. Comme vous le voyez, tout est cassé. La Commission électorale nationale indépendante a reconnu des difficultés. Le vote est prolongé à jeudi dans les bureaux perturbés. Près de 44 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales doivent élire leur président, leurs députés et leurs conseillers communaux dans quelque 75 000 bureaux de vote. Voilà, c'est la fin de notre édition en version française. Je vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malgache. À tout de suite.